dis-moi, c'est la classe, hein? Attends, qu'est-ce que tu veux, hein? Quand on est des hommes au foyer, ben on dort là de ces petites femmes quand elles rentrent à la maison. Ah, écoute, Fred, va surveiller tes poulets au lieu de dire des bêtises, ça sent le brûler, là. Oh merde, mes poulets rôtis! Eh ben, dis-moi, je crois que l'ambiance n'a pas changé ici, hein? Ouais, bah, touchons du bois, hein, parce que pour le moment, elle n'est pas encore arrivée de catastrophe. Allez-y, fille! Hé, regardez qu'est-ce que j'ai retrouvé devant la porte! Ah, bah, c'est génial, on a même du bonheur qui arrive! Salut! Salut les filles! Ah, David est là? Bah oui, écoute, Fred et Julien m'ont invité à rester dîner avec vous, donc. Ah, oh, bah, c'est une bonne idée, c'est génial ça! Hein, sauf que malheureusement, je vais pas pouvoir rester avec vous là, faut que j'aille me changer parce que je retourne travailler au studio après. Tu bosses la nuit, toi? Ah, oui? Oui, oui, bah, tu sais, c'est ça le start system, hein. T'exagères, hein, tu veux que j'en parle à John? Non, 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 surtout pas, c'est pas la peine, c'est le métier, ça se passe comme ça. Hein. Dis-moi, je peux te parler 5 minutes? Ouais, ouais, bah, bien sûr, bah, j'irai me changer après, ouais. Bon, en fait, comment ça s'est passé tes essais? Très bien. J'ai un nouveau producteur, Peter Denver. Tu connais? Attends, attends. Peter Denver, mais c'est une star, c'est génial! Mais comment t'as fait? Bah, en fait, tu vois, il a tellement aimé la chanson de Sandra qu'il a tout laissé tomber pour elle. T'exagères un peu. Non, non, non. Bon, en tout cas, c'est une super nouvelle. Hein. Félicitations, bravo, ma chérie. Tiens, en fait, Géraldine n'est pas avec vous? Non, on a un problème. Comment ça, un problème? Bah, en fait, Peter Denver, justement, il nous a tous les trois invités à dîner et nous, on a refusé. Hein. Mais Géraldine, elle a accepté. Bah, pourquoi? Bah, on n'a pas compris, ça lui a pris comme ça. Fred est au courant? Je sais pas, elle nous a dit qu'elle l'appellerait. Julien, tu vas rire là, je pense. Hein. Comment t'expliquer? Oui, tout simplement, je dois un petit peu d'argent à Davy, hein, et là, je peux pas lui rembourser, donc peut-être que toi, tu pourrais éventuellement m'avancer un petit peu de thunes pour que je le dépanne, quoi. Écoute, Jérémy, tu vois, là, c'est pas le moment. Bon, alors, je vous assure, vous allez vous régaler, hein. Oula, mais j'ai entendu des douces voix féminines. Salut. Salut, Fred. Ok. Non. Elle est pas là, la mienne? Non, elle avait un truc à faire, mais elle va pas tarder, j'espère. Ah bon? Ben, j'espère, hein. Ben, je vais devoir l'attendre avant de la couvrir de baisers. Hein? Comme un bon petit homme au foyer que je suis. Le notte alte sono sveglio e più ti penso e più ti voglio. Mi fa smaniare questa voglia che prima o poi farò lo sbaglio, farò lo sbaglio. Merci, c'était très joli. Tenez. Grazie, grazie mille, signor Delver, grazie. Encore un peu de champagne? Avec plaisir, il est délicieux. Je suis content qu'il te plaise. Je passe une excellente soirée. C'est vrai? Moi aussi. Alors, à nous? À nous. J'arrive pas à croire que je dîne avec le plus grand producteur d'Europe. Oh, c'est... Tu sais, j'ai eu beaucoup de chance, hein, c'est tout. Attends, c'est pas de la chance, c'est du talent. Tu sais, j'ai acheté pratiquement tous les disques que tu as produits. Oh, c'est vrai? Mais alors, t'es une de celles qui me fait vivre. Bah, je te dois le respect. Merci, mademoiselle. Non, mais je sais très bien qu'on est des millions à t'admirer. Ouais, peut-être. Mais elles sont pas aussi jolies que toi, ça j'en suis sûre. C'est vrai, tu me trouves vraiment jolie? Ouais. Je trouve que tu as un charme animal. C'est dommage que tu veuilles pas chanter. C'est pas que je veux pas, c'est que je chante comme une casserole. Ça peut s'arranger si je m'en occupe. Ah non, là, je crois que ça sera pas possible. Mais Sandra, en revanche, tu y crois vraiment? Ouais, ouais, ouais. Non, je crois que... Elle pourrait vraiment réussir, si je m'en occupe, bien sûr. Moi, je suis sûre qu'elle va devenir une grande star. Ça dépend. Si je lui trouve un bon concept. Un concept? C'est quoi? Un style... Une image, quelque chose qui la positionne dans l'esprit du public. Sandra est belle comme le jour et elle chante divinement bien. Je vois pas ce qu'il te faut d'autre. Le petit truc en plus. C'est ça qui fait la différence. Mais bon, je pense que je vais y arriver. Et puis c'est mon métier. Oh, excuse-moi, j'ai oublié de le couper. Ah mais vas-y, vas-y, réponds. Merci. Allô? Ah oui, Barbara. Oui, tout va bien, t'inquiète pas. Oh mince, j'ai complètement oublié de le prévenir.
tu peux le faire à ma place? Non, bah écoute, je vais le faire moi-même. J'arrive. Excuse-moi, Peter, mais j'ai un petit problème. Si je m'absente une vingtaine de minutes, t'aurais la patience de m'attendre? Ben, si je suis sûr que tu reviens, oui. C'est juré. D'accord. Je t'attends. Je fais vite. Ça y est, moi je suis prêt, je vais partir bosser là. Il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Ben, tu te fais tout beau pour aller travailler, toi. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, on a un producteur qui vient nous rendre visite ce soir, un producteur super snob, et pour l'image de Marc du studio, c'est important d'être bien présenté. Attends, Jérémy, qu'est-ce que tu fais pour mon problème là? Ah ouais, ton problème, ouais. Oui, c'est... Ah bah tiens, Julien, en fait, on parlait pas sérieusement tout à l'heure, mais tu pourrais faire un petit truc pour me dépanner, hein, histoire de me prêter de l'argent pour que je rembourse des vies? Écoute, Jérémy, je t'ai déjà dit, je peux pas, j'ai pas de thunes. Ouais, ça m'aurait étonné aussi. Non, bah, je suis désolé, quoi, je peux rien faire. Ça fait 3 mois que tu me dois cet argent. Bah oui, mais je peux rien faire, qu'est-ce que tu veux? Ah, mais attends, tu peux très bien demander une avance à John, puisque tu travailles au studio. Ah, bah oui, mais bon, là, c'est un petit peu délicat quand même. Hein, c'est, je commence à peine. Mais attends, Jérémy, tout travail mérite salaire, hein. En plus, ce soir, regarde, tu fais même des heures sup. Tu veux que je vienne avec toi? Non, surtout pas, je vais m'en occuper, je vais lui demander. Il te doit combien d'avis? Il me doit 900 francs, tu sais, ça me permettrait de me dépanner quelques jours pour trouver une chambre, un truc. Mais écoute, je vais te faire un chèque, je crois que j'ai ça sur mon compte, ça devrait aller. Comme ça, moi, c'est lui qui me remboursera l'argent après. Ah non, ça va pas du tout, ça. Bah pourquoi, c'est pareil? En tout cas, ça me dépannerait, hein. C'est vraiment sympa. Ok, bah comme vous voulez. Bon, moi, il faut que j'y aille. Bon courage. Merci. Jérémy, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas voir Cynthia, c'est ça? Oui, et alors? Tu fais n'importe quoi, mon vieux. Ma part va t'entendre. Non, je sais comment écouter ces chansons, c'est le boulot, quoi. Mais le dîner en tête à tête, c'est quoi ça? Et ben, c'est un dîner de boulot, c'est du business. Ouais, c'est ça. Tu mens à Barbara en plus, regarde-moi ça. Mais je mens pas, Julien, parce que je lui ai dit que j'allais bosser. Je mens pas. Ouais. Enfin, en tout cas, je t'aurais prévenu. Ok. Super sympa. Merci. Ouais, alors là, je vous promets, vous allez vous régaler. Attention, c'est chaud. Eh ben, en tout cas, ça sent bon. Hein. Ah, bah tu m'étonnes. Ça, c'est en l'honneur de mademoiselle Sandra, qui fait craquer les plus grands producteurs du monde, y compris le célèbre Peter Denver, quand même, hein, qui est, soit dit en passant, une de mes idoles. Dis-moi, on n'attend pas Géraldine? Non, t'inquiète pas, j'ai mis sa part au chaud. Mais dis-moi, les filles, là, vous savez vraiment pas où elle est passée, non? Bah non. Ça, c'est Géraldine. Tu tombes super bien, mon cœur. On allait juste attaquer le plat de résistance. Ça va? Ça va, mais je ne vais pas rester. Qu'est-ce qui se passe, mon cœur? Y a un problème? Fred, tu sais que j'ai toujours été directe avec toi. Ouais. Ben voilà, j'ai rencontré notre garçon et j'ai très envie de faire l'amour avec lui ce soir. Donc je venais juste te dire que je te quittais. Bon appétit. Bon, bah, je vais chercher sa part, hein? Ça nous fera du rab. Ça va, j'ai pas été trop longue? Ah non. 17 minutes, c'est correct. Merci. Je me sens beaucoup mieux. Tu me demandes pas où j'étais? Ah, s'il y a une chose que j'ai apprise avec les femmes, c'est qu'il faut jamais poser ce genre de questions. Ah oui? Ben, je vais te le dire quand même. J'ai rompu avec mon ex-petite amie. Ah ouais? Pourquoi t'as fait ça? Ben, parce que j'ai rencontré un autre garçon qui me plaît plus. Et je suis fidèle. Donc par principe, je quitte toujours mon fiancé avant de passer à un autre. C'est rare. Mais je suis quelqu'un de rare. Ouais. C'est vrai, t'as raison. Et t'as jamais eu peur que l'autre garçon ne veuille pas de toi? Ah non, jamais. Pourquoi? Tu ne veux pas de moi? Ah non, j'ai pas dit ça. Bah, tout va bien, alors? Ben...
Ouais, tout va bien. Qu'est-ce que t'attends pour m'embrasser? Je te regarde avant. Chez moi. Ah bon, pourquoi, il y a quelqu'un? Ouais, ce soir, oui, mais... Ah. Mais demain, je lui demanderai de partir. On peut peut-être aller à l'hôtel. Non, je supporte pas les hôtels. Mais mes copines sont pas là, on peut aller chez moi si tu veux. Tu viens? Vous m'envoyez la note, hein, comme d'habitude. C'est Denver. J'ai fait demander la voiture, elle est devant la porte. Ah bah décidément, toi tu penses à tout. Hein. Quand je suis amoureuse, oui. C'est l'histoire d'un mec donc, qui rencontre un pote et puis alors ce mec là il a des boucles d'oreilles en diamant. Alors il rencontre son pote et t'as son pote qui le regarde comme ça, il lui fait non mais attends, depuis quand tu portes des boucles d'oreilles toi? Et là bah il lui répond bah depuis que ma femme les a retrouvées dans ma voiture. Eh pas mal, tu connais celle-là, regarde. C'est un mec qui va chez son médecin et il dit excuse-moi docteur mais j'ai un problème. Quand j'appuie là j'ai mal. Quand j'appuie là j'ai mal. Quand j'appuie là, j'ai mal. Il dit, docteur, qu'est-ce que j'ai? Tu puis regarde, il fait, bah, je crois que vous avez le doigt cassé. Bon, moi, je vais aller chercher le dessert, OK? Un gâteau fait maison. Attention, s'il vous plaît. Hein? Bon, allez, hop. Attends, mais c'est incroyable, hein? Vous avez vu, il tient super bien le coup. Enfin, il sauve la face, hein, je le connais. J'arrive pas à croire que Géraldine lui ait fait ça. Tu devrais lui parler, Julien. Tu crois? Bon, j'y vais. T'as besoin d'un coup de main, Fab? Non, ça va aller. Si, prends les assiettes, prends les assiettes. Allez, hop, c'est parti. Hey. Quoi? Ça va? Oui, ça va. Enfin bon, le gâteau est un petit peu trop cuit, mais bon, je pense que ça va faire l'affaire quand même. Allez, on y va, allez, hop. Bon, attends, Fred, c'est Julien, là. Tu tiens le coup? Oui. Pourquoi? Tu sais bien. Qu'est-ce qu'il y a? Géraldine m'a quitté, c'est ça. Et alors, hein? Je comprends pas, t'étais pas amoureux? Ben si, comme un dingue. Et? Et alors? Ben quoi, et alors? Ben voilà, elle m'a quitté, c'est terminé, c'est... voilà. Affaire suivante, hein? Allez, viens, ils nous attendent, allez, hop, vas-y. C'est la première fois que je fais l'amour avec un vieux. C'est agréable, merci. T'as quel âge, toi? 20 ans. Enfin, dans 2 mois. Ah ben, je pourrais presque être ton père, alors. Pourquoi? T'as quel âge? 31. C'est parce que j'ai lu qu'il y avait des papas de 11 ans, c'est pour ça. Ah, idiot. Je vais te mordre pour la peine. Aïe! Il doit y en avoir des tas de filles qui craquent sur toi, qui te sautent dessus comme j'ai fait. Ouais, c'est vrai, il y en a des tas, mais en général, j'y vais pas. Ah bon? Et pourquoi t'es venu avec moi, alors? Bah pour deux raisons. La première, c'est que tu me plais. Et la deuxième, c'est que t'as pas envie de chanter. Ah bon? Pourquoi c'est important? Ah ouais, ouais. Oh là là, les nanas qui couchent pour réussir, ça me gave, je sais plus comment m'en dépêtrer. Et celles qui font l'amour pour le plaisir, tu t'en dépêtres comment? Pour l'instant, j'ai pas très envie de m'en dépêtrer. Ça tombe bien, parce que moi non plus. Alors, t'avais vraiment un petit copain avant, toi? Ouais. Il était super sympa. J'espère qu'on va rester bons copains. Et tu l'as quitté comme ça? Ben oui, mais tu vois, j'avais très envie de faire l'amour avec toi. Comme j'ai jamais trompé aucun de mes mecs avant. Et si ça s'était mal passé entre nous? Ben tant pis, j'aurais pris le risque. Ah oui. Et si je te disais que... On peut plus se revoir. Mais c'est pas grave. J'aurais passé une belle nuit d'amour. T'as une drôle de philosophie pour une gamine. Bah ouais, je sais pas. C'est la mienne. Alors on va plus se revoir, c'est ça? Pourquoi tu dis ça? Parce que tu vis avec quelqu'un. Et tu lui demanderas jamais de partir demain.
Je vois que tu connais bien les hommes. Ben oui, mais je t'en veux pas. Je l'ai su dès que tu m'en as parlé. Tu me détestes pas alors? Non, pas du tout. J'ai même envie de recommencer. Bon alors, si ça intéresse quelqu'un, là, il doit me rester un bon petit jus d'orange 1925, je sais plus quoi. Il y a jamais l'alcool ici, hein? Non, bah non. On est contre. Oui, enfin bon. Enfin, de toute façon, on a pas assez de thunes pour en racheter, alors. Ouais. Ah bah nous, on va peut-être vous laisser, hein, il est tard. Non. Non, non, c'est vrai, attendez, restez encore un petit peu. C'est vrai, bah, je vais aller voir dans la cuisine si j'ai pas une bonne petite tisane pour Davy, ok? Allez. Ouais, soyez sympa, hein, restez encore un peu. Ouais, c'est vrai que tant qu'il y a du bruit, ça évite de penser à autre chose. Il t'a vraiment dit qu'il tenait le coup? Ouais, enfin, je sens qu'il va craquer. Yo, mon Davy! Regarde ce que j'ai trouvé. Regarde-moi ça. Une bouteille de champ. C'est pas excellent, ça? Allez, hop. Bon, bah, écoutez, moi, je vais m'occuper des gobelets. Je suis désolé, on n'a pas de coupe. Oui, mais alors, mène-toi, mon grand, là, parce que ça perle son gaz, là, allez. Mais oui, tout le monde sait que du champagne sans gaz, c'est comme du... Du gruyère sans trou. Du gruyère sans trou, voilà. Et voilà des beaux gobelets tout beaux, tout neufs, en plastique véritable et massif. C'est parti. Tiens. Allez. C'est gentil. Tiens. Bah, je propose qu'on boive à Sandra et à son disque. Je sais plus trop si j'ai envie de le faire. Attends, tu rigoles, c'est une chance fabuleuse. Oui, mais bon... Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? De toute façon, je sais qu'il y a 99 chances sur 100 pour que Géraldine soit partie avec un mec du studio, tu vois. Et à mon avis, ça se trouve, c'est Peter Denver. Tu vois, j'en suis presque sûr. Mais bon, c'est pas une raison pour que t'arrêtes de bosser avec lui, tu vois. C'est quand même un des meilleurs producteurs qu'on ait en ce moment et... Et voilà, ça sert à rien que tu gâches ta carrière pour mes histoires, c'est tout. Ça n'a rien à voir. Mais si, ça a à voir. Je veux pas que tu te sentes responsable de quoi que ce soit. De toute façon, elle aurait rencontré quelqu'un d'autre, alors. Tu sais, il y a des oiseaux qu'on peut pas tenir en cage et... Je le sais d'autant plus que j'en fais partie, moi aussi, voilà. T'es pas trop malheureux? Si. Mais bon, vous êtes là. Ça va. Puis je me dis que ça ira mieux demain. Enfin bon, si c'est pas demain, ce sera après-demain. Alors voilà. Bon allez. À Sandra. Hein? À Sandra. À Sandra. Et à Géraldine. Au four! Oh le minou, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah, je me suis fait agresser par des voyous. Ah, j'ai mal. Il va falloir que tu y ailles. Mes copines vont pas tarder à rentrer. Non, ça fait des années qu'on m'a pas dit un truc pareil. Peut-être que t'as pas l'habitude de sortir avec des filles qui ont pas les moyens de se payer un studio toute seule. Je peux t'en prendre un si tu veux. Pour que je devienne ta maîtresse? Et que je vive comme une poule entretenue? Non, mais alors tu vois, ça c'est pas du tout mon truc. Ok, ok. Excuse-moi. On va se revoir quand même. Je sais pas, je verrai si j'ai encore envie. Ah ouais, d'accord. Tu me largues, c'est ça? Mais non, pas du tout. J'ai dit que je verrai si j'ai encore envie. T'inverses les rôles, là. T'es très forte. Bravo. Mais non, pourtant, je fais exactement tout le contraire de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire? Ben, quand on veut un garçon, on lui dit pas oui tout de suite. Enfin, en tout cas, c'est le conseil que je donne à mes copines. Dans la bande, c'est moi la spécialiste. Ah ouais, ça je m'en suis aperçu, ouais. Et alors? Pourquoi t'as changé de tactique? Parce que ça n'a rien à voir. D'abord, c'est moi qui t'ai demandé. Puis ensuite, elle n'est valable que quand on veut garder le mec. Et moi, tu me gardes? Je sais pas. Tu verras si t'as envie, c'est ça? Oui, c'est ça, exactement. Ouais. Tu vas m'excuser, mais je commence à avoir un peu sommeil, là. Ben, je suis prêt. Bonne nuit. Bonne nuit. Y a pas qu'une seule tactique, après tout. Aïe!
ça va mieux, mon minou? Mais ça aïe! Oui, ça va, ça va. Mais comment ça t'est arrivé, ça? Bah, je sortais du studio, j'étais dans la rue et là, ils m'ont sauté dessus. Ils étaient combien? J'étais au moins une dizaine. Mais c'est insensé, cette insécurité dans laquelle on vit. Hein. Non, mais je vous jure, il faut vraiment faire quelque chose. Bon, allez. Ce qu'il a besoin, Miminou, c'est du repos. Hein. Allez. Pas de nuit de sommeil parce que j'ai crevé. Tu veux pas qu'on appelle un médecin plutôt? Non, je crois que ça va aller. Hein? Bon, allez, on va vous laisser. Bonne nuit. Bonne nuit, mon Miminou. Mmh. Et au fait, oublie pas, hein, demain matin, je suis pas là, je vais aller voir mon père à Praia da Rocha. Où? En Portugal. Ah. T'inquiète pas. Aïe, 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 aïe. Ouais, excuse-moi. Bonne nuit quand même. Bonne nuit. Bon courage, Fred. Non, ça va aller, t'inquiète pas. Allez. Pas rien. Bon, salut les garçons. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ouh. Bon, allez. Bon ben allez, mec, oh. Il reste un petit peu de champagne, là, hein. Qui c'est qui en veut? Ah ben moi, je veux bien, moi. Ouais? Moi, non, merci. Non? Bon. Et le ah. Miminou? Une bague. Comment tu veux que je boive ça avec ma bouche? Et une paille? Ah. Ah ouais, ouais, tiens, je crois que c'est les filles qui ont oublié quelque chose. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, dévie. Ouais? Il est où, le Minus, que je finisse de le pulvériser? Attends, quel minus, à mon avis, vous êtes trompé là? Écoute, j'ai mis une plombe pour que Cynthia me donne son adresse, alors j'ai pas fait de ce chemin pour rien. Ah ouais, alors là, attends, mais ça change tout, hein, il est là. Ah, ah. Ah. Non, 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 Mais quelque chose. Tu crois qu'on peut piquer ma gonzesse comme ça? Hein? On lui raconte, on va faire un disque. Mais non, c'est pas du tout ça, c'est. Attends, on t'explique là, tu vois. Le minus là, tu vois, c'est notre petit frère. Et on est quand même trois mecs. Et puis on aime pas trop qu'on touche à notre petit frère. Tu piges? Ouais, ouais. Pigé. Mais si je le revois autour de Cynthia... Oui, t'inquiète pas, tu le reverras pas. Pas de soucis. Bon, ok. Ciao, les mecs. Ah. Il est parti, là? Il est parti? Oh, putain, mais Fred, mais t'as été grand, là, mais... J'étais grand, ouais, mais je l'ai quand même joué à pile ou face, là. Ouais. Ouais, enfin, tu vois où ça nous mène, toutes tes conneries, toi, hein? Non, mais tu pouvais pas deviner que son mec était jaloux. Tu pouvais pas deviner, mais j'espère que ça te servira de leçon, maintenant. Bon, bah écoute, moi, je vais y aller, hein. Bah, où ça? Enfin, excuse-moi, mais bon, t'es à la rue, non? Oui, non, mais avec l'argent que m'a remboursé Barbara, ça va, je peux me trouver une chambre pour la nuit. Mais non, tu peux rester ici, en fait, t'as qu'à prendre mon lit, tiens, voilà. Et toi, tu vas où? Moi, je dors pas ici, moi. Non, mais attends, là, c'est quoi, ça, tu vas où? Bah, écoute, si j'étais pas un gentleman, je te le dirais, ouais. Bah. Non, dis-moi pas que t'es une copine. Non, c'est pas vrai. Non, attends. Non, parce que si Géraldine l'apprend, t'es mal barré, mon pote. Hein. T'imagines, c'est... Ouais. Pourquoi me rigoler, là? C'est bon, elle est là. Bon, on va se déshabiller dans le salon pour pas la réveiller. Non, les filles... Allumée, je dors pas. J'arrivais pas à dormir, je voulais vous parler. Qu'est-ce que tu voulais nous dire? Comment va Fred? Ah bah il va très bien. Enfin, il fait comme s'il allait très bien, ouais. Ça m'étonne pas de lui. Et pour toi, ça s'est passé comment? Ben, je suis allée dîner avec Peter. Et je l'ai ramené ici pour faire l'amour. Non, c'est pas vrai. Je suis désolée, les filles, mais j'avais pas d'autre endroit. J'allais quand même pas le ramener à la cave. Tu dois être heureuse. Non. C'est la première fois que ça m'arrive. J'ai fait n'importe quoi, les filles. Je suis amoureuse de Fred et... Il me pardonnera jamais.